Amis de la forêt, cet épisode est pour vous. Les constructifs, qu'est-ce que c'est? Ce sont des talents et des projets qui construisent le monde de demain. Aujourd'hui, je me rends dans la forêt de Plébin, en Bretagne, pour rencontrer Erwan Lemenet, cofondateur d'Écoterie, qui valorise écologiquement et économiquement des forêts. Le CIC présente Les Constructifs, épisode 6. Bonjour Erwan, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Erwan Lemenet et je suis l'un des cofondateurs d'Écoterie. Écoterie qui est une société qui permet aux particuliers et aux entreprises de participer au reboisement des forêts françaises et européennes. Comment t'es venue cette idée? Précédemment, je faisais un métier qui n'avait rien à voir. Je travaillais dans la banque et je voyais beaucoup d'entreprises qui considéraient l'implication de leur business dans l'écologie comme une contrainte. Nous, Écoterie, on est vraiment là pour les aider. On construit des projets de capital naturel spécialement pour elles. Et elles peuvent ensuite dire à leurs actionnaires, mais aussi à leurs clients, voilà, nous avons tant d'émissions carbone et grâce à Écoterie, nous avons réussi à contribuer à temps par un projet de reboisement, par exemple. On est dans une démarche positive qui permet de réconcilier écologie et économie. C'est vraiment l'ADN d'Écoterie. Je te présente Arnaud, enchanté, qui est notre forestier. Bonjour. Qu'est-ce que c'est un forestier du coup? C'est quelqu'un qui se promène beaucoup dans la forêt. En sifflant. En sifflant, avec une chemise à carreaux, une grande barbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par mesurer un arbre avec des instruments qui sont assez rigolos. Donc c'est cet arbre-là que tu vas mesurer. Il faut que tu trouves la distance entre toi et l'arbre le plus loin possible. Tu veux te débarrasser de moi en fait? Tout droit, tout droit. Mais il faut que tu continues à regarder l'arbre. Mais quand c'est même super long! Est-ce que tu vois le haut de l'arbre? Ok, je crois que j'ai un truc. 60%, c'est normal? Non, on n'était pas en pourcent. On était en degrés. Bon, je serais une piètre forestière. Donc cet arbre-là, il doit faire entre 27 et 30 mètres. Je me demandais les arbres qui sont plantés, qui sont exploités, enfin comment ça se passe? Clairement, le bois, c'est du carbone. Il faut mieux récolter un arbre plutôt qu'il se casse la figure. Parce que quand il va tomber, tout le CO2 qu'il a pu capter, il va être réémis. Alors que si l'arbre, il est stocké dans ce qu'on appelle du bois d'œuvre, le carbone va être séquestré beaucoup plus longtemps. Comment tu vois l'avenir des Écoterie? C'est quand même génial d'être dans une entreprise où chaque client en plus et chaque projet qu'on fait apporte quelque chose à la nature. Donc c'est assez satisfaisant, donc on a une croissance assez décomplexée. Pour toi, finalement, c'est quoi un projet constructif? Dans constructif, il y a le verbe construire. Et c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien. Quand on parle de ce sujet de l'écologie, de l'environnement, malheureusement, on voit beaucoup de choses qui font peur. Nous, on essaye d'agir. On agit à notre échelle et on va essayer d'en faire encore plus. C'est que le début, mais au moins on agit. Voilà, c'est notre satisfaction au quotidien. Merci beaucoup, j'ai appris plein de choses. C'est super sympa d'être venu nous voir dans le Finistère. À bientôt. C'était génial de rencontrer Erwan et les équipes d'Écoterie. Moi, je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux du CIC avec Amy ou Cyprien pour découvrir de nouveaux épisodes des Constructifs avec des personnes qui construisent le monde de demain. Je vous laisse. Moi, j'ai piqué une petite tête dans la rivière. Elle doit être très, très bonne. Ah, les ronces, c'est annulé. La nouvelle génération part à la rencontre de ceux qui entreprennent pour demain. C'est ça, construire dans un monde qui bouge. CIC.